Coucou les loulous, aujourd'hui, petit vlog dans une ville que vous connaissez tous, Paris. L'objet de notre visite dans la capitale, elle est simple. On a l'assurance Suisse qui nous a contactés pour participer à un cycle de formation d'apprentissage de la giro-roue pour avoir un petit diplôme qu'on pourra utiliser lors de nos formations de Giro Academy. Donc c'est l'occasion pour nous d'aller voir les Müller Pro, d'aller voir des boutiques, de découvrir la capitale et surtout de rouler. Donc, sans plus tarder, voici les Müller d'Alsace qui sont présents aujourd'hui. Je suis Pierre. Je suis Damien. Je suis Bruno. Et bien, en avant pour la visite de Paris. Si on suit la flotte, on arrive à Notre-Dame. Et ben il est où le macadam? Il vient de l'extraire. J'ai pas vu qu'il y avait des voitures de ce côté, tu? Bah c'est quand même la capitale, hein. Tu, hein. Eh tu, il y a de la circulation ici, hein. Responsabilité des gens. Ah, ça craint. C'est joli, regarde là. C'est la maison des Wheeler. Non, tu me fais un truc. Allez, de ça. Oh non, mais quoi. Le montage. Ah oui, non. En plus, j'étais pas prêt là et tout. Alors, Giro Shop a été créé en 2015 et moi je suis arrivé un an après. Viens. On a. Bah, ça y est, détends-toi. Il n'y a pas de caméra là, regarde pas. La boutique a été ouverte en ligne dans un premier temps. Six mois après. On a ouvert la boutique physique au bout de, bah, de 3 ans. La boutique commençait à être trop petite, donc on a déménagé pour le 11e. La boutique actuelle, sur un boulevard Voltaire. On a commencé avec la roue, on a enchaîné avec les trottinettes. Mmh. On voulait aussi développer sur le vélo électrique et le scooter électrique. Ça y est, on a fait le premier embauche. La première embauche de petit Mathieu. Donc Mathieu. Je suis un jeune apprenti qui est content de travailler ici. Pas du tout sous la contrainte, hein. Vas-y, dis que t'es content. Je suis très content. Aujourd'hui, on va tester donc la caisse 16X. C'est parti. Attention. Génial. Sérieux? Ouais. Elle est fluide, elle tourne bien. Agréable. Par contre, elle freine moins bien que la Gateway, je dirais. Elle freine moins que la Gateway et à basse vitesse, on sent un petit. C'est pas aussi linéaire que Gateway. Ouais, mais en fait, tu la rachètes. Oh, dis donc. Comment va? Ça va, les anciens, alors? Est-ce que tu peux dire une grosse vacherie sur lui? Grosse vache. J'ai pas entendu. On va rouler. Parce que... À Paris, je crois. Ouais, bah ça dépend, qu'est-ce que vous voulez voir. Quelque chose de beau. Tu veux voir Montmartre. Ok. Le Moulin Rouge, tu vas aller voir le Moulin Rouge. Ouais. Le Sexodrome. Le Sexodrome. C'est en face. C'est quoi le Sexodrome? Attends. Ah, c'est les grands trucs. C'est le grand cinéma X de Paris. Ah, c'est... Enfin, on fait de la pub pour tout le monde là. C'est... Après, on finira l'Enchanteur. Tu connais pas l'Enchanteur? Je connais pas. Sinon, on peut aller au Cox. Cox. Là, c'est la sonorité, ça me dit quelque chose à mon avis. Bonne route, les Wheelers d'Alsace, à plus tard. Ici, on s'arrête pas au feu rouge. On s'arrête pas au feu rouge. Oui, même quand il y a du monde. Non, mais c'est un ours. Il s'arrête jamais. Bulldozer, gilet jaune, il y va, il s'arrête. Alors le Wheeler parisien est rapide. C'est-à-dire que je n'arrive pas à le rattraper. Fais gaffe, ils ont mis une porte là. Donc nous allons passer devant l'Elysée,
qui se trouve sur la droite, là, juste là. La maison du Nicolas. Vu son sens dans l'orientation, tu devrais plus écouter. De Nicolas. Nicolas. Ça s'appelle. Ah non, c'est quoi il s'appelle? Manu. Nicolas Macron. Nicolas Macron, c'est son fils caché. C'est les mains, de toute façon. C'est beau Paris. Dommage qu'il y ait autant de Wheeler Pro. Genre, il les épouille. Regarde la troisième. Bon, là, visiblement, on va direction Montmartre. Donc ça va monter fort. Tu filmes qui, là? Ah, c'est moi. On va filmer les jeunes filles. Ah non, tu vois, je te vois pas. Ah non, non. Ouais. Ah non, c'est pas vrai. Hein. Ça c'est Paris. Ça c'est Paris, tu vois. Vous allez vous casser? Ouais. Et on va quitter les houleurs d'Alsace. Ouais, vous allez où? Avec tristesse. Ouais, avec des larmes aux yeux, tu vois. Ouais. Il y a encore du vrai. La gorge c'est les larmes qui perlent. Hop les guys. Roll ma Paul. Comment tu fais monsieur Flex pour le sexe? On va prendre 20 grammes. Mais moi je prends pas 20 grammes. Hein. Padapadapapap. Bon, c'est la folie. Rouler dans Paris avec la circulation, c'est un truc de malade. Eh, on passe presque au vert. Hein. Yannick, Strasbourg me manque. Ses pistes cyclables, ses aménagements, j'en peux plus. Ces gens gentils. Et c'est pas fini, regarde. Ah, bah c'était une piste cyclable. La place Clichy, tu vas la place Clichy? Je ne sais pas. Il y a le beau Moulin Rouge. C'est toi qui voulais voir le Moulin Rouge? Ah non. Ah, c'est pas ce que j'ai dit. Quel faux cul, voilà, il est là. Nous allons continuer. Jusqu'à monter à Montmartre. On va s'arrêter au Sexodrome. Avant pour Matt, s'il veut s'acheter un cockring. Je crois qu'il veut s'acheter un cockring. C'est quoi un cockring? Je décline toute responsabilité. C'est un joli quartier, hein. On s'y sent bien. Les deux là vont bien ensemble. Bah, tu l'auras bien ici. C'est pas les mêmes que chez vous. Je sais pas. Moi non plus, je dis ça, je dis rien. Les rando à Emmanuel, faut jamais y aller. Emerka n'est pas un guide. C'est un guide spirituel pour certains individus, je pense quand même. Un spirituel, c'est un bien grand mot. C'est plein? Le sexodrome. Liberté, égalité, sexualité. Totalement. T'en as besoin, c'est bon? Non, c'est rare. Okay. Malheureusement, ils font pas le triple XL. C'est lui? Il dit qu'ils font pas le triple XL. Si, si. Là, je vais te dire, il y a des trucs. Tu vas avoir peur. Et je m'en fous. Tu vas avoir peur. T'as des machins, tu te demandes. Ah, tu te dis, c'est pas pour des humains. Elle a bien renseigné quand même. T'es jamais allé au sexodrome? C'est d'ailleurs. Donc on avait dit une sortie culturelle, et dans culturel, il y a Turel, hein. On est d'accord. Là, je sais pourquoi la charger. Ah bah Montmartre, c'est Montmartre, hein. Ouais, ouais. Ça monte. Le Haut-Königsbourg à côté, c'est du pipi chien. Il y a des choses pour les enfants? Oh, dans ce quartier, je suis pas sûr. Et nous voilà donc à Montmartre. Notre guide a certes une roue adéquate, hein, mais la pauvre elle souffre. Et pourquoi donc? Je vous laisse juger par vous-même. La pauvre ACM de 2000 watts a du peine à monter jusqu'à Montmartre. Yeah. Ouais, mais deux heures après nous. C'est la première fois que tu visites Paris? Je crois que c'est la première fois que je viens au Sacré-Cœur. Non. Oh là, j'ai tapé. Ça, c'est le Sacré-Cœur. C'est une église. Ça, c'est Paris. C'est une belle bâtisse et par contre, de nuit, je ne l'ai pas vu souvent. C'est joli. Trop de pierres, trop de pierres. C'est une conduite parisienne, hein.
Donc Emerkan nous a proposé de venir manger dans un petit restaurant. On va manger de la fondue chinoise. Allez. Bon appétit. Bon appétit. La bouffe traditionnelle chinoise, c'est très bon, mais alors c'est chaud. Je crois que c'est très pimenté. Ouais. Ah ouais, c'est non, faut pas toucher. Mais c'est la choucroute que tu veux manger. Ouais, mais je préfère la choucroute de chez nous, hein. Je veux pas, mais là, c'est énorme. Tout va bien. Comme ça. Tout va bien. Donc demain, il y a masterclass avec l'inventeur du Mojiroro, une sacrée plus-value. Bah, comme il dit, roulez bourrin, roulez bourré. Voilà un peu l'esprit parisien qui règne ici. Et c'est roulé serein, roulé assuré, normalement. Normalement, c'est roulé serein, roulé assuré. Voilà, donc fin de la soirée, on a bien mangé, on a bien bu. On est très content d'avoir rencontré les gérants de la boutique Jiroro Shop. Moi, j'ai perdu mes cornes, comme vous pouvez constater. Et puis maintenant, on rentre direction notre logement à Bagneux, qui est à peu près une dizaine de kilomètres du centre de Paris. Et il pleut. Oui, il pleut et ça fait chier. Mais bon, Paris, c'est quand même bien. Un peu. Elle est où? À droite. Ah, elle est là! Elle est belle! Bon là je suis désolé, je vais arrêter de filmer parce qu'il pleut un petit peu trop et c'est pourri là. Je sais même pas si ce que je prends, mais bon. On va arrêter là, donc rendez-vous demain pour la masterclass de l'inventeur du Mojiroro. Allez, à plus.